As long as mankind has walked the Earth, the dream of transcending the confines of our mortal being has been passed down the generations. The breakneck speed of technological development now seems to be on the cusp of granting freedom from disease, disability, and even death. And some are willing to give their all in order to defy our natural lifespans and our physical capabilities. Yet it remains unclear whether these innovations will be a blessing or a curse, should they realize their potential. But beyond practical concerns is the fear that we might erase our humanity in the process of trying to enhance it. For the past 7 years, Vincent has lived a life trapped within the confines of a body that no longer functions. After his car plunged into a ravine, his road to recovery has seen him regain some movement in his forearms. But it is technology developed by his occupational therapist that has granted him the greatest degree of autonomy by restoring essential functions that the majority of people take for granted. Avant, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, j'avais que la sonnette. J'avais l'impression de déranger tout le temps les soignants. Pour allumer la télé, pour choisir la chaîne, augmenter, baisser le volume. J'ai trop chaud, monter la couette, j'ai trop froid. Monter la couette, j'ai trop chaud, baisser la couette. J'ai soif, apportez-moi un verre d'eau. Et là, maintenant, j'ai les fonctions programmées. Ça veut dire, au lit, je peux gérer ma télé tout seul. Au lit, je peux ouvrir, fermer ma fenêtre tout seul. Je peux éteindre la lumière de chevet tout seul. Je sélectionne la maison. Je sélectionne fenêtre, ouverture. Et ça ouvre. Et j'ai plus cette impression de déranger tout le temps, demander à quelqu'un tout le temps de venir m'aider, ce qui est lourd au bout d'un moment. Et pareil, je participe à mon confort. Donc, je suis acteur. Acteur de ma vie. Ça, c'est beau aussi. J'adore l'outil informatique parce qu'il me donne une grande autonomie. Voilà. J'ai un système de souris buccale. Donc, comme mes doigts sont paralysés, je ne peux pas taper sur les touches ni utiliser une souris habituelle. Je fais les mouvements de la souris. Et pour cliquer, je souffle. Voilà. Et je peux donc écrire, dessiner. Je m'intéresse aussi beaucoup aux progrès technologiques qui existent dans les universités. Et j'ai vu justement dernièrement qu'ils ont inventé un bras, en fait, mécanique. Ils appellent ça les exosquelettes. Donc c'est un genre de gant qu'on enfile comme un manchon, qui est relié au système nerveux par un casque avec des électrodes, et ça repère les zones d'activité motrice cérébrale pendant qu'on pense au mouvement. Et rien que de penser au mouvement, le bras électronique fait activer les muscles, en fait, des systèmes de vérins qui bougent les doigts quand on pense à bouger le doigt, qui tournent le bras quand on pense à tourner le bras. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est super. Ça veut dire que je peux peut-être rêver, reprendre à saisir un verre, à le boire facilement comme ça, couper moi-même mes aliments. Ça me donne des espoirs comme ça. Nous vous aiderons à développer vos talents comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. This video was made to promote a science fiction video game. But what potential for human augmentation exists today? To find out, we asked an expert on exoskeleton technology in Zurich. Nous vous aiderons, vous et votre famille, à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Qu'est-ce que je pense? On est loin dans le futur. Il y a un aspect non seulement restauration de fonction, mais aussi un aspect d'augmentation de fonction. C'est réalisé d'une manière assez impressionnante, mais je pense qu'il y a encore pas mal de problèmes à résoudre jusqu'à ce qu'on arrive là.
Les exosquelettes, en général, c'est très compliqué parce que vous avez un robot qui est en interaction directe avec, avec l'humain. Et il y a plusieurs aspects qui rendent ça compliqué. D'un côté, c'est de suivre le mouvement, de soutenir le mouvement d'une manière physiologique. Et de l'autre côté, et puis lié à ça, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit compact, que ça soit ergonomique. Et de l'autre côté, une très grande complexité est liée au fait de détecter ce que la personne veut faire, donc quel mouvement elle aimerait initier, et puis de soutenir ce mouvement, le bon mouvement au bon moment. It takes a great deal of refined engineering to allow an exoskeleton to pick up this bottle without simply crushing it. Gestures that come naturally to humans are in fact extremely difficult to replicate. Est-ce que c'est possible à terme de pouvoir faire bouger les doigts individuellement, donc de pouvoir par exemple écrire ou jouer du piano? Alors ça serait en principe possible en faisant un grand sac à dos avec plein de moteurs, ce qui augmente la complexité. Je pense qu'il faut toujours être réaliste. Donc une personne après une attaque cérébrale, par exemple, qui n'arrive plus à individualiser les doigts ou bien vraiment à fermer et ouvrir la main, le besoin principal, c'est de pouvoir prendre un objet. Et c'est irréaliste de croire que cette personne va pouvoir jouer au piano. On arrive gentiment au point où on peut soutenir des fonctions très simples où il y a une utilité pour une personne en situation de handicap, mais on est encore très très loin de reproduire les capacités humaines, et puis on ne parle même pas de les dépasser encore. Progress in this field is not happening as quickly as you might think. To drive innovation, Zurich's Institute of Technology launched the Cyberthlon in 2016. An Olympic-style competition for disabled athletes to compete with technological augmentations in the hope that this will in turn lead to further progress for researchers. The most futuristic competition is the brain-machine interface, where tetraplegic athletes control a virtual athlete on screen using only their thoughts. The caps are lined with sensors which read the user's brain waves and translate that information to actions on screen. Everyday uses for this would allow users to independently interact with the world around them. Here, the EPFL team add another win to their tally. Elsewhere in the arena, paraplegics compete against each other in the exoskeleton race, demonstrating the near miraculous potential of this technology. Amongst them is Silky Pan, an ex-acrobat who has been wheelchair-bound since suffering a critical injury 11 years ago. She never believed that she would walk again, but 3 months before the competition, she joined the EPFL team and began training with the modular robotic suit that now carries her. Ça, c'est des bons souvenirs, hein? J'avais jamais vu ça. Le cybathlon, c'était vraiment le point culminant d'une période très, très intense parce qu'on avait très peu de temps. On n'a eu que 3 mois pour, depuis le point zéro, à arriver à une bonne performance. Moi, j'avais jamais connu un exosquelette. Donc, j'ai dû tout apprendre à tenir, à marcher toute seule, sans assistance, et après encore à faire tous ces obstacles. After a strong start, the machine gets stuck and overrides the user. Jusqu'aux escaliers, c'était quand même, c'était vraiment l'interaction homme-machine. Et puis, tout ce qui était côté machine, on avait tout réglé, tout était fait. Donc, c'était plus qu'à moi de faire la différence. Donc, c'était moi qui devais piloter ça d'une manière parfaite pour que ça fonctionne. Et après, ben, c'est vrai qu'en étant bloqué devant ces escaliers, tout à coup, c'est de nouveau la machine qui a pris le dessus et qui a pris les commandes. J'étais de nouveau dans ce corps avec cet handicap et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas sortir toute seule de cet exosquelette. Je ne pouvais pas changer de position. J'étais bloquée en position debout et c'est tout. Et j'étais juste impuissante à ce moment-là. Et là, cette illusion ou cette euphorie que j'avais pu avoir d'être maître de
l'univers, là, juste avant, ben, il n'y avait plus du tout. Tout à coup, voilà, je me suis retrouvée les pieds sur terre. Non, je suis bien paraplégique et puis c'est bien une machine et je suis quand même dépendante de cette machine pour faire tout ça. Despite being a handy bike champion and veteran of many competitive events, this time the exoskeleton sabotages her performance, leaving her with a fourth place finish. After almost a decade of living without any sensation below the waist, the exoskeleton has revived a once extinguished hope within her. Avec l'exosquelette, j'avais vraiment cette sensation qu'on m'avait donné de nouveau un nouveau corps, mais pas le même que j'avais avant l'accident, mais encore un autre corps. C'était un bonheur extrême. Et en même temps, j'étais quand même un peu déçue parce que j'imaginais déjà comment j'allais peut-être pouvoir faire une roue, et puis comment j'allais pouvoir faire un pas de danse, et puis comment j'allais pouvoir peut-être même faire du trampoline avec et tout, un saut périlleux. Mais bon, voilà. Parce que je suis comme ça. Mais ça, c'était dans mon imaginaire. Et j'ai eu un petit peu cette désillusion que c'était, même pour moi, c'était pas facile. Silky has been training with the EPFL team for the past 2.5 years and has made spectacular progress. She is now able to enter her exoskeleton unassisted. She is close to mastering her machine, which has since become lighter, more responsive, and more stable, despite still being in early development. The exoskeleton's array of motors are powered by the battery unit carried on Silky's back. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans la base du comportement de l'exosquelette. C'est vraiment extrêmement simple. Ça veut dire que ça fonctionne comme un vélo où si vous actionnez un levier, l'exosquelette va se comporter de manière extrêmement prévisible. Sur votre vélo, si vous appuyez sur le frein, il freine. Rien d'autre, à moins que le frein soit cassé. L'exosquelette, vous appuyez sur le bouton et il fait un pas. Et il se passe rien d'autre. L'intégralité du contrôle est vraiment donnée à l'utilisateur. On peut imaginer à l'avenir que ce comportement se complexifie un peu pour que l'exosquelette puisse, par exemple, détecter l'émergence d'une situation dangereuse, détecter un escalier qui serait éventuellement trop haut, un trou, et ne pas faire le pas au bon moment, ou bien prendre en charge, par exemple, l'équilibre de la personne pour que la personne ne doive pas utiliser les béquilles pour rester debout. Des fois, je me dis, ah ben, si j'étais en exosquelette, je pourrais ranger les choses comme il faut, je pourrais aller au centre commercial et puis pas tout le temps attendre d'attendre que quelqu'un passe pour me dire, s'il vous plaît, vous pouvez me donner les œufs qui sont là-haut, ceux-là, s'il vous plaît, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Oui, merci. Voilà, bon, ça, c'est presque quotidien. Mais pour beaucoup de choses, je serais plus indépendante quand même, oui. Oui. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse l'exercice de marcher à deux. D'accord. Donc, tu vas marcher avec seulement une béquille. Ok. Vu qu'on est un avec le robot, ben, on est comme une personne robotisée. Et c'est le robot qui nous fait devenir quelqu'un de plus grand, d'augmenté, de meilleur et tout. Ça fait bizarre, ça? Au début, oui, et puis après, on s'habitue. Faudrait entraîner ça plus souvent, mais c'est déjà pas mal, là, pour les premiers pas. Oui. Seeing Silky walk in this way is a near miracle. Worldwide, less than 1,000 handicapped people have private access to an exoskeleton due to the astronomical price at this early developmental stage. But this physical link between human and machine even gives its creators pause for thought. Where, if at all, should limits on this kind of technology be imposed? Bien sûr, en tant que chercheur, on se pose toujours la question de quelles implications une technologie peut avoir pour la société.
notre responsabilité en tant que chercheur, elle n'est pas forcément de limiter l'émergence d'une technologie ou d'une autre. Elle est plutôt de sensibiliser le grand public, de sensibiliser les gens, la société, la sensibiliser pour prendre la décision d'accepter ou de rejeter une technologie. Alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce que les gens comprennent vraiment, prennent vraiment la mesure de l'implication de la technologie ? Si la société disait aujourd'hui, non mais les exosquelettes, hors de question, pour moi c'est impensable que les humains soient confrontés, soient mis en contact avec une machine de manière aussi proche, aussi intime, bien sûr qu'on arrêterait immédiatement. Beyond the ethical issues raised, the idea of a robotically enhanced human is a disturbing prospect, and one which Hollywood has always been keen to explore. RoboCop begins life as an ordinary man. Un homme dans une machine. Où suis-je? Il y a eu une explosion. Vous êtes à l'hôpital. Vous dites que vous pouvez le sauver. J'aimerais comprendre quel genre de vie il va avoir. And from science fiction comes reality. Other exoskeleton designs exist, but serve to enhance rather than restore the capacities of the human body, in particular, those of soldiers. Arma Suisse, a major weapons developer for the Swiss Confederation, has a special department based in Thun and has agreed to talk on camera about its research. Quinton studies advances in civilian technologies, which could be adapted to military needs, and exoskeletons are the newest development to pique his interest. L'exosquelette, c'est quelque chose qui commence à arriver sur le marché civil pour des fins de réhabilitation. Dans le monde militaire, on a déjà quelques essais qui sont faits, notamment pour supporter certaines charges pourrait faire que le soldat arrive moins fatigué sur le lieu d'engagement. Donc là, on parle de charges qui peuvent osciller entre 50 et 70 kilos. S'il doit tirer, par exemple, les expériences montrent que en fait, la cible est rencontrée beaucoup plus souvent que s'il était fatigué et en mauvaise forme. From the battlefront to the home front, we're building a world where science fiction becomes science reality. Where innovation... Revision Military, a Canadian company, has developed the exosuits currently being tested by Swiss Special Forces. Enhanced super soldiers are fast becoming a reality, and their augmentations are not always just physical. On aimerait bien que le soldat apprenne plus rapidement des nouvelles armes, qu'il puisse dormir moins tout en restant suffisamment alerte. Il y a des produits pharmaceutiques, tout bêtement il y a la caféine. Comment est-ce qu'on pourrait avoir augmenté certaines doses de caféine pour que la personne reste éveillée un peu plus longtemps? De l'autre côté, il y a toutes les études qui sont réalisées actuellement sur une meilleure connaissance du cerveau. Et l'idée, c'est qu'en allant stimuler ces zones à certains moments, on puisse soit apprendre certains éléments plus rapidement, soit avoir une mémoire à plus long terme. Donc après, que ça serve uniquement des fins militaires, ça, je pense pas. Et ça va quand même très, très vite. Caffeine for energy, memory-enhancing drugs. These treatments are geared towards enhancing rather than restoring attributes, and even look to prevent their decline in the first place. Applications which go beyond the scope of military strategy. This potential for science to guarantee a standard of health and fitness beyond a natural lifespan is any person's fantasy. But for now, the closest you can get on the market is prohibitively expensive for most, beyond even the most generous health insurance plans. But that hasn't stopped 56-year-old Maïté Jetta, a long-time user of these cutting-edge treatments. Il y a une vingtaine d'années, ma mère qui était très malade, elle est brésilienne, elle était au Brésil à ce moment-là. Elle me téléphone un jour, elle me dit, j'ai découvert une médecine merveilleuse qui s'appelle orthomoléculaire. Orthomoléculaire, molécule, qu'est-ce que ça veut dire?
Écoute, il faut que tu viennes essayer parce que ça, c'est préventif. Ça travaille dans des éléments qui manquent, ou il y en a, peut-être même qu'il y en a trop dans le corps, qui peuvent générer des problèmes de santé. Maite has found a doctor offering the treatment she wants in Switzerland. Dr. Marcel Kapt, who studied anti-aging medicine in the US. Voilà. Vous souvenez, ce n'est pas douloureux. His treatment is based on a spectrophotometer. Originally developed for Soviet cosmonauts in the 1970s, the device analyzes the composition of cells by pressing against the palm of the hand. Voilà, c'est rapide. As well as measuring vitamin and mineral levels in the blood, it also detects toxic heavy metals which poison the body slowly over time and need to be cleaned out. On va voir maintenant les métaux lourds. Alors c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que je me souviens que vous aviez beaucoup de métaux lourds. Vous avez toujours de l'aluminium qui est très haut. Vous avez l'argent qui est très haut, vous avez le cadmium, le mercure qui est très haut. Donc il me semble, si je me souviens bien, que les métaux lourds, ils ont plutôt un peu augmenté, hein, ce que oui, je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui. Le silicium est un peu bas aussi. C'est une médecine préventive, prédictive, anticipative. C'est-à-dire qu'une personne peut être, se sentir encore bien, mais elle peut être déjà en déséquilibre. On appelle ça un état de pré-maladie ou de rupture de la santé. La personne se sent bien, mais elle n'a plus toutes les défenses nécessaires et suffisantes pour la protéger contre différentes pathologies. Et ce traitement pendant 3 mois, c'est juste? Pendant 3 mois, oui, oui, tout à fait. Oui. On remarque que les patients et les patientes, ils en sont de plus en plus préoccupés par leur avenir et par leur santé future. Hein, c'est ce que les gens recherchent, ils veulent vieillir, mais ils veulent rester en bonne santé. Cette médecine anti-âge, est-ce que c'est une discipline médicale en tant que telle? Oui, disons, c'est pas une discipline qui est encore reconnue par les assurances en particulier. La médecine anti-âge, la médecine orthomoléculaire, qu'on appelle ça aussi, est une médecine qui date de 1970. C'est Linus Pauling, l'ancien chimiste, qui l'a introduite. Elle est très en vogue aux États-Unis en particulier. Et en France et en Suisse, malheureusement, les assurances ne reconnaissent pas. Au niveau des médicaments qu'on pourrait prescrire, ne reconnaissent pas ce type de médecine, officiellement. Super. Oh, yes! Oh mon Dieu, d'accord. Super, génial. Bah, merci beaucoup. À tout à l'heure, merci, voilà. Ciao. Aside from her prescription of algae, trace minerals and vitamins prescribed by Dr. Kapt, Maite eats only organically grown vegetables, grown by her son as part of her anti-aging lifestyle. Wow. C'est trop beau. Il y a certaines choses qu'on dit, il faut manger 5 fruits, ci et ça, que maintenant on contredit aussi, parce que finalement on fait beaucoup de recherches. Tout est très provisoire, je trouve. Alors j'ai fait un peu le... Je prends tout ça, et j'ai dit, ok, dans quel contexte je peux utiliser un peu de tout? Vous pensez que vous avez une responsabilité à vous occuper de votre santé vous-même? Oui, énorme. Parce que si je ne m'occupe pas de ma santé, qui va s'occuper de ma santé? C'est moi qui sais comment je fonctionne. Comment les choses vont ou ne vont pas. So can anti-aging medicine based on vitamin supplements really stave off the perils of old age? Geriatricians remain somewhat skeptical. Alors la médecine anti-âge, c'est vraiment cette quasi-utopie d'arrêter le processus de vieillissement, voire même de l'inverser complètement, avec des interventions dont la base scientifique elle est très souvent discutable, voire inexistante. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des interventions où on a vu un certain nombre de bénéfices, mais malheureusement avec un certain nombre de risques et d'effets secondaires. Et donc, c'est la balance entre les deux qui pose problème. Alors, il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'on appelle les antioxydants. On sait qu'un des dangers pour les cellules, c'est d'accumuler des substances toxiques qui sont des oxydants. Et donc, on se disait, bah, si on met des substances qui vont capter ces oxydants, on risque de prolonger la vie cellulaire. Alors, il y a toutes sortes de substances, la vitamine C, enfin des choses, la vitamine E, toutes sortes de substances qui ont été essayées. De nouveau,
parfois en laboratoire quelques essais positifs et encourageants. Au moment du passage à l'humain, non seulement on n'a pas observé les mêmes effets bénéfiques, mais si on prend l'exemple de la vitamine E, on a même observé des effets délétères, c'est-à-dire où on a augmenté un certain nombre de risques, et notamment des risques cardiovasculaires. Donc on est revenu en arrière en disant, malgré tout, malgré le fait qu'on avait quelques espoirs, ça ne se traduit pas au quotidien, et la balance de nouveau entre les bénéfices potentiels et les risques penche malheureusement pas du bon côté. J'ai parlé à un gériatre, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et il me dit, mais il n'y a absolument rien éprouvé dans des tests cliniques sur les vitamines, les hormones, les oligo-éléments. Qu'est-ce que vous dites Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que beaucoup d'études médicales ont prouvé, on en a plusieurs, dont certaines initiées par l'OMS, ont prouvé qu'on est tous en déséquilibre, en insuffisance de différents oligo-éléments, minéraux, vitamines. Ça dépend de votre âge, bien sûr, de votre sexe, de vos gènes, bien sûr, de votre environnement. Tous ces paramètres font que, disons, on est tous en déséquilibre plus ou moins important. And so two schools of medicine face off. On the one hand, the conventional, widely available and extensively tested, regulated and distributed. On the other is the preventative, supplement-based, lifestyle-focused brand, which sees itself as the future of healthcare. Ce qui change aujourd'hui, c'est la masse de personnes à qui ce type d'approche peut être offerte. Ce qui change, c'est les enjeux du point de vue de la société, du fait d'avoir cette masse de personnes âgées dont je fais partie, qui vont arriver au cours des 20-30 prochaines années dans le marché du vieillissement et avec les risques de dépendance, avec les risques d'utilisation du système de santé. Et c'est sûr que là, ça rend attentif à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, éviter qu'on se trouve avec une masse de personnes extrêmement malades, qui souffrent de plusieurs pathologies, qui sont dépendantes, qui n'arrivent plus à décider pour elles-mêmes, et puis qui n'ont même plus des descendants qui vont être capables de s'occuper d'eux, ce qui est un peu notre situation actuellement. Donc ça va effectivement propulser ce type de démarche un peu plus sur le devant de la scène, parce que on est tous pareils quelque part. Je crois que si on nous fait miroiter l'idée de vieillir en meilleure santé, avec moins de bobos, moins de douleurs, en restant indépendant, en étant fit dans sa tête, on est tous preneurs. Head next to California, where the preservation of youth is pursued with a near religious vigor, whose doctrines are exercise regimes, organic produce, and cutting-edge tech. The most fervent devotees are committed to the battle against age and take seriously the idea that the aging process can not only be overcome, but reversed, and is within reach so long as you remain committed and keep up with the latest trends. For the last 3 years, adherents to Radical Life Extension have flocked to RadFest in San Diego, which offers a mix of scientific lectures alongside a vast selection of anti-aging products and alternative medicines. Year-old engineer Brian traveled 800 kilometers to attend for a second year. I wanted to find out about health solutions for myself. I'm suffering from high blood sugar, diabetes, but also for other people. I know somebody who's having heart problems, and I know these kind of things. Sort of the anti-aging is sort of, I guess you could say, a byproduct of what I'm trying to learn about. More I can learn about health, perhaps the healthier I can get, perhaps I can avoid early death, things like that. So it just goes hand in hand. All right, you ready? Okay. All right. Seen here, the hyperbaric chamber draws interest thanks to its promise to prevent a whole series of potential ailments. But with an entry-level cost of $25,000, it remains the enthusiast's option.
Is it a problem to you that most of the therapies haven't been clinically tested and agreed by the FDA? And... No, it doesn't bother me so much, only because a lot of the things, or some of the things I've tried personally or for relatives and friends, I've seen that they work. It's not been approved by any agency. I think there's a time, especially when one is ill, where what choice do you have? Either you try something or you don't. If you don't try anything, we know where you're headed. Raymond came from Australia to attend RadFest. Here, he takes time between speaking events to get an NAD+ transfusion, an enzyme which allegedly slows the aging process. And he sees nothing odd about receiving this procedure on the conference floor. There is a disconnect where you can try and sell health foods and vitamins and everyone will buy those and will believe those. But if you tell people you can have certain vitamins or enzymes or compounds for longevity to extend human life, a lot of people are still thinking that this is science fiction. They're thinking, ah, surely that can't be right. That kind of technology is still 1,000 years away. Well, it's actually not. I take about 12 pills a day. I take metformin, which is a prescription drug. It's usually used for diabetics, but it's been shown to be a great drug for longevity, so I take that. I take resveratrol, I take NAD, I take pterostilbene, I take quercetin, curcumin, PQQ. I won't even tell you what that stands for because the word's like this long. But I take a bunch of pills, and each pill specifically targets a pathway we know causes aging. And if we can stay ahead of every piece of biological decay that comes our way, then yeah, you can certainly extend human lives by not just decades, possibly hundreds of years. Raymond's secret to longer life lies in a hefty prescription of antioxidants, bolstered by a conviction that aging is brought about by a series of preventable dysfunctions that can be fixed. But geneticist Denis Duboule is skeptical when faced with the evidence. Le problème, c'est que notre corps, il est pas construit comme une voiture. C'est une image qu'on prend parfois parce qu'il y a un moteur, parce qu'il y a une direction, etc. Mais c'est pas exactement la bonne image à prendre parce que les parties ne sont pas indépendantes du tout. Et le problème du vieillissement, c'est un problème de toutes, c'est pas un problème des parties. Vous pouvez dire, bon, on va changer un bras, on va changer une jambe, on va changer un œil. C'est ce qu'on fait actuellement. En fait, on remplace les dents, on remplace le truc, le machin. Mais le problème, c'est qu'on continue de vieillir avec ces pièces parce que c'est l'ensemble qui vieillit. In spite of scientific skepticism, human mortality is just another paradigm waiting to be disrupted by the tech giants of Silicon Valley. In 2013, Google founded subsidiary Calico, the California Life Company, backed by heavy investment to secure top scientific minds for the development of life-extending drugs. But you won't find Calico on the RadFest conference floor, as their research is cloaked in secrecy, even turning down a request to interview for this film. But Calico still gets name-checked on the main stage. And Calico is putting in over $1 billion to develop anti-aging drugs. Hey, this is huge. To develop anti-aging drugs, they're doing this, but they're 9 years away. 9 years away for the first drug ever being approved by the FDA. We don't have that kind of time to wait. We cannot wait for the FDA to approve these drugs. There's no time to wait for the finished product could well be Bill Falloon's motto. At 64 years old, the ex-funeral director is now a multimillionaire thanks to his health supplements empire, and he ploughs his fortune back into anti-aging research. Whilst he waits for that miracle drug, he recommends taking pre-existing drugs regardless of their original intent, such as insulin, immunosuppressives normally taken for organ transplants, and even microdosing chemotherapy treatments. I encourage people to self-experiment under physician supervision. So far, we haven't seen side effects that are serious, so I do encourage people to do that. They're all part of the experimental group. They are going to engage in these studies, get baseline blood work, follow-up blood work, and we're going to know within the next 12 to 24 months how well this is working.
does the FDA FDA doesn't approve of any of this, but we can't wait for the FDA to get around to that. We have 5,000 people in the United States dying every single day of a degenerative illness, and we know of ways to slow that process down, and we now know ways of at least partially reversing degenerative aging. Despite these headstrong claims, the all-important element of proof is still wanting. We put this to Audrey de Grey, a renowned figure in longevity studies, hired by Silicon Valley out of Cambridge University. A doctor in computer sciences, he's spent the last 20 years researching the aging process alongside his global fundraising efforts. Proof is always a strong word in science, in technology. You know, any technology, when it's ambitious and pioneering, always goes through overcoming obstacle after obstacle after obstacle, and the only so-called proof that one might have, the nearest thing to a proof, is the intuition, the gut feeling of the experts like me, who are looking at the details of what has already been done and what needs to be done, and you just have a sense of how difficult the remaining hurdles are. But of course we know that that translates into extreme uncertainty about the time frame. For a self-professed scientific conference, none of the guests seem fazed by the vague timeframes, promises, and refutation of evidence-based thinking. 71-year-old Cheryl Coleman sees herself as a pioneer after 40 years of following what she calls regenerative medicine and has attended RadFest for the past 3 years. I'm hesitant to even say my age because it puts you in a box. You know, you're expected to be a certain way, look a certain way, dress a certain way, do certain things. So I kind of don't want to participate in all that. Every year after RadFest, I decide to do some new treatments, some new things. So I did human growth hormones for about 8 months out of this year, and I started on the metformin. How many complements do you take a day? I would say about 17. What kind of therapy you wouldn't try? Is there a limit? I'm rather adventuresome, and I feel pretty safe. I think I would be mostly limited by finances. Her extensive treatment regime nevertheless sets her back $6,000 a year. I want to welcome Liz Parrish up to this stage and also applaud her for the courageous work she's doing, because she has been doing self-experimentation. Thank you, Bill. Wow, that's amazing. And I'm sandwiched between... Liz Parrish, head of her own biotechnology startup, is the star of the show here at RadFest. Right now we're working on health genes, but in the future we might be genetically engineering you for where you want to live, what you want to do for a living, and how you like to spend your free time. It's first DNA sequencing, so you'll be able to get your... But Liz Parrish isn't keen on waiting for the future she describes, in which humans modify their genetics for their own convenience. Instead, she has chosen to lead by example and become the first human to undertake gene therapy as an anti-aging treatment. ...that are associated with aging. Genes that get turned on over time and expressed differently as we... She receives telomerase injections, an enzyme which can potentially extend telomeres, genetic sequences at the end of each chromosome, seen here in red, which grow shorter as we age. Extending them has been shown to potentially prolong life in experiments conducted on rats, but Liz nevertheless had to go to Colombia to carry out the process, as it is illegal in the US. I know there's several laboratories out there doing it. What do you think is the best one? So when we did the before analysis of the telomeres, they were actually unusually short. So the average age of my telomeres when we took the first
test were the age of about 65. A year after taking the therapy, they were the average age of a 45-year-old. And then just recently, we took a telomere test again, and they were around the age of 32. How do you feel? Well, I feel fantastic, but what we learned is we have a long ways to go. So we really don't know how much gene therapy to give a body. We really don't know how to measure the hallmarks of aging yet, and that's what our company is working on now. The experiment in question, which Liz used to turn herself into a walking advocate for her startup's values in business, is strongly discouraged by the scientific community. Écoutez, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, donc tant que ça ne gêne pas son voisin. Donc si cette femme veut s'injecter de la télomérase, qu'elle le fasse. Maintenant, il y a plusieurs problèmes avec cette expérience. Le premier problème, c'est que pour avoir une conclusion dans ce genre d'expérience, il faut les faire sur ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire sur des ensembles de patients qui présentent tous les mêmes pathologies pour avoir une analyse statistique, pour pouvoir savoir si effectivement ça fonctionne ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la télomérase, c'est tout de même une enzyme, donc c'est une protéine qui est fabriquée par un gène. C'est une enzyme qui est impliquée dans un certain nombre de maladies. Et c'est vrai qu'en s'injectant de la télomérase, on prend un gros risque de développer, par exemple, toute une série de cancers. Par contre, la connaissance des mécanismes utilisés par cette télomérase est absolument essentielle pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour aller traiter certains cancers le jour où on comprendra comment on peut bloquer ce mécanisme. Et ça, c'est un problème différent. But this isn't enough to deter those who believe that nothing ventured is nothing gained in the quest for eternal life, which is just a few visionaries away from becoming a reality. The festival's organizers, Jim and Bernie, have dreamt of such possibilities for decades. Isn't this an amazing time together? Wow. And these are long With days. Almost 1,000 attendees, the growing popularity of the festival makes the dream of human immortality seem that much closer. The top scientists are saying a year from now we're going to have something that's will remarkably extend our life. Maybe 50, 100 years, 150 years. Could be a year away, could be 2 years away. I think for sure, okay, within the next 3 to 5 years, we will have something that will remarkably extend our lives. Yeah. And I see a world where if nobody dies, I see a beautiful world. Yeah. And we see aging as a disease, but it's a curable disease because Bernie now is in her 82nd year. You know, I'm turning 70 next year. We feel better than ever. And what would look like a world if nobody dies? You know, this is a question that always comes up. But there's a lot of space in this world. And besides, I think as we go along, people are going to become smarter. They're not going to have so many kids. They're going to find out there are more interesting things to do in their life. And so the population, look, that's not going to happen real quickly anyway. Overpopulation, I really can't see it. A world full of immortal beings who have outgrown the need for procreation may be a chilling thought for some. But for philosopher Jean-Michel Beignet, who has studied the broader impacts of new technologies on the human condition, the undermining of man's conviction of his own mortality is troubling in and of itself. L'homme a forcément, sans doute toujours voulu être immortel, mais la dignité de l'homme, ça a été précisément d'accepter la mort. La nature animale en nous a toujours répugné effectivement à sa disparition, et il n'y a rien de plus normal d'une certaine façon. Mais ce que la tradition occidentale a inventé, c'est l'éternité, en disant vous les humains qui êtes mortels, vous pouvez vous rendre éternel en restant dans le souvenir des autres, et vous resterez dans le souvenir des autres grâce à vos œuvres, grâce à vos vos paroles, grâce à vos actes. Il faut mourir pour être éternel. Il faut mourir. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une régression complète. En disant, voilà, les technologies vont nous permettre de satisfaire notre nature animale en nous rendant immortels. Et le spirituel, on s'en moque.
Hein, le spirituel, c'est bon pour les dévots, hein, ou pour les philosophes. Hein, mais nous, avec les technologies, on va pouvoir tuer la mort. This is the idea that drives Ray Kurzweil, Google's director of engineering. A visionary to some, a fantasist to others. The 71-year-old futurist invented the first voice recognition program. Now he is convinced that mankind will cheat death by digitizing our consciousness, which will be the final stage of human evolution. An ambitious vision, which Kurzweil delivers to the audience as the festival's guest of honor. Warm introduction. It's great to be here. It's a great conference. People 50 years from now think it remarkable that, wow, people in 2018 actually went through the day without backing up their mind file. You wouldn't think of doing that with your smartphone or any of your digital information. And more of our lives are actually reflected that way. These are brain extenders to some extent. I mean, who could do their work or get their jobs or keep their health without the brain extenders we already have? We are going to extend the neocortex in the cloud. That's a 2030s scenario. So that's the fourth bridge to radical life extension. It's unsettling to contemplate the idea that such drastic changes in the fundamentals of human existence could be right around the corner. For Ray Kurzweil, the ubiquity of the smartphone is a precursor to how humans will integrate with machines in cyberspace, an assumption that underpins a lot of the futurist thinking driving Silicon Valley tech giants. But for some, this dream could become a nightmare. On the more pessimist end of the spectrum is the Future of Humanity Institute, founded at Oxford University in 2005 by Nick Bostrom, a Swedish philosopher, physicist, and mathematician. We know that huge impacts on social society can follow from technological innovations. Biotechnology, synthetic biology, is going to be a source of major risk. I think machine intelligence is another. Those would be two at or near the top that we can currently see. I think there might be others with molecular nanotechnology. We develop increasingly powerful technologies. But it does seem that with increasing power comes increasing possibility of messing things up in a serious way. If you look at, say, the history of nuclear history, when people first figured out that it would be possible to cause a nuclear chain reaction, there was this very interesting physicist, Leo Szilard, who realized that that would make it possible to build a bomb within a few years. And he tried to go around and persuade his colleagues to not publish about this, because they just saw it as, oh, this is interesting science, we need to share everything. He saw that this would actually result in a bomb product within a few years, and that Nazi Germany and others would try to race to get the bomb, and he had this foresight, and it didn't work. And maybe there are lessons we can learn there. Like, if ever something similar comes up, can we be confident that now the world would have the ability to coordinate? And I'm not so sure we can be confident about that. The advent of nuclear weapons was proof of mankind's capacity for self-destruction, testing our resolve to survive in the face of our violent nature. Amidst this deluge of promises, warnings, and hopes for the future, what are we to take away? Are these questions for future generations to answer, or should we already be asking ourselves how we might preserve our humanity, as the limits of our understanding are constantly being pushed beyond what our ancestors could have ever even contemplated? Je sais qu'il y a le projet aussi de, au niveau des futurs exosquelettes, de mettre des puces
intégrer au corps, dans le corps. Et là, franchir la barrière du corps, avoir des corps étrangers électroniques, éthiquement, moi, ça me pose un peu de problème. Je n'ai pas envie de venir un genre de monstre technologique, mi-homme, mi-machine, et où j'aurais plus le contrôle. La technologie, c'est quelque chose d'assez complexe finalement, parce que ça apporte un confort dans nos vies, téléphone portable, moi le fauteuil, la télécommande. Mais il y a le penchant négatif. C'est trop se mettre là-dedans et perdre son humanité. Parce qu'on n'est pas que de la technologie, on est du lien social, on est des interactions entre individus. Ça compte énormément pour moi. Moi, c'est ça, c'est perdre mon humanité qui me fait peur. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Vincent actuel. Vincent dans le fauteuil, tétraplégique, qui fait du théâtre, qui fait rire les gens, qui a de l'humour. Je suis quelqu'un, pourquoi chercher plus finalement ?